bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 47 de notre incroyable aventure sous God of War Ragnarok. Comme d'habitude, 4 FPS, non 4K, 60 FPS, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. On est parti pour la suite de notre folle aventure. Wesh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pitbull ou quoi frère? T'as flairé quelque chose, c'est peut-être important. On ferait mieux de la suivre. Attends, tu sors d'où mon ref? Qu'est-ce que c'est? Littéralement, c'est un cochon? C'est un cochon qui fait le bruit d'un chien? C'est le Delta. Ok. Très bien, donc on a une quête, suivre la trace. Où tu nous emmènes, ma belle? On fait quoi, on y va? Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On n'est pas obligé de rentrer tout de suite, c'est... Bon, alors attendez. Regarde, des traces. Ouais. Celle de notre chienne à l'odorat développé, et nous sommes sur la bonne voie. Ok. Bon, bah écoutez, on va y aller. On est là. Très bien. On ferait mieux de la suivre. Bon, allez, on y va, on va voir, on va voir. Bah écoutez, un chien qui fait. Enfin, un cochon qui fait le bruit d'un chien. On dirait un pitbull, mon ref. Il s'est éclaté la gueule contre un mur, là. Qu'est-ce que c'est? C'est terrible. Ah. D'autres empreintes. Sacrée pisteuse, cette petite baveuse. Putain, mais attendez, on est déjà venu ici. Oh, c'est terrible, j'ai l'impression qu'on va vivre. Ok. Oh. Ok. Bah écoutez, ça dégage, on continue. Elle a laissé d'autres traces. Ça m'emmène à un boss. Dire, elle me semble aussi bonne pisteuse que toi. Elle me surpasse. Mes yeux peuvent me tromper. Pas à son museau. Est-ce que tu aimerais pouvoir te changer en animal de temps en temps? Non. Ok. Et elle reprend. Ah, vas-y, on trace, hein. Bah les couilles, hein. C'est quoi ces conneries là, les gars, oh? Attends, tu vas m'emmener à quoi? Je suis pas serein. J'ai juré, je suis pas serein. On dirait qu'on est sur la piste d'Elka. Ok. Ah. Oh, bien wesh. Allez. Hop, et c'est terminé pour toi mon frérot. Merci à toi d'avoir joué à ce jeu. Pardon? Non mais attends, tu marches dans combien de directions? Ah, elle est passée par cette corniche. Mais on ne peut pas la suivre à c'est cette un heure chien de la nuit. Mais c'est un putain de dog. Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. J'arrive, je t'en supplie. Ok, allez, on va remettre le jour pour pouvoir prendre le chemin, vous l'aurez compris. Le bruit du métal contre le métal, c'est très désagréable. Écoutez, pour être très honnête avec vous, je sais pas si vous avez... si vous détestez certains bruits. Mais moi, le bruit... Y a... Genre, vous savez, le bruit du tableau avec la craie, moi, ça me gêne pas. Mais il y a des bruits, c'est contre le métal, je ne supporte pas. What the fuck, le clipping? Je ne supporte pas le bruit contre le métal, c'est terrible. C'est vraiment ma hantise. Oui, j'arrive. Comment ça, quoi? Là, il y a un fils. Signal, ça doit être Birgir. Elle veut qu'on aille le sauver. Ah, bah il est vivant, le con. On peut rentrer maintenant, Elka. On va se débrouiller. Ok. Un parfum de survie. Ok. Allez, on se barre. Ok, on va aller dans une région, je suppose, inconnue. Et il a dû atterrir dans la Merz. Comment Birgir aurait-il survécu à une telle chute? Par magie, peut-être. On lui posera la question quand on l'aura sorti de cette situation. Ok. On a pris un chemin, mais pour le coup, on prend un total opposé.
Nous devrions pouvoir repérer Birgir de là-haut. Pourquoi tout le monde avait l'air d'avoir peur de cet endroit? À ce propos... Drago! Ok, je rappelle que c'est une quête secondaire, les amis, là, hein. Oh, bien joué le coup du bouclier. Atreus! Dans la vraie vie, vous ne faites pas ça? Et toi? Ok. Il avait l'air en colère. Pourquoi, à ton avis? Nous sommes dans la bonne direction. Il y a encore l'éclair que j'ai gelé. Cela semble être les ruines d'une ancienne colonie Van Prosper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je n'en sais rien. Raison de plus pour quitter ces lieux. Très bien. Et ensuite... Ok, un peu d'argent pour les braves. Là, on a un truc pour rentrer, un accès mystique, superbe. Là, on a quelque chose... Et là, on n'a plus rien. Ok, bah écoutez, on continue. Let's go! Hein? Il y a des vrais feux d'artifice, frérot! Ce signal! Birgir est en vie! Si ce dragon continue, mais pour longtemps. Il vivra. Vous voyez ce que je vois? C'est un éclair. Mais... il est... gelé. Comme lors de mon combat avec Thor. Mais pourquoi il y en aurait-il un similaire à Vanaheim? Ok. Ok. Ah la vache, mais wesh. Hop, ça c'est voilà prêt. Le dragon, il est en colère. Ok. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est? Ok. Hop, cascade. Ok. Mais je me fais annihiler la gueule. On va se calmer. Ok. Il s'enfuit. Il frappe avant de se replier. Rusé. Allez, dégage-toi. Toi, je sais pas si t'étais un petit fils de dragon, mais là, t'es mort. Ok. Ça, je prends. Oh, les bâtards. Non, vous êtes des bâtards. Oh, les bâtards. Non, vous êtes des bâtards. Oh là là, wesh. Oh là là, vous êtes énervés de fou ici, hein. Et respectez-moi, hein. Ok, ça y est, c'est pas aussi impressionnant que ce que je pensais. Oh, ok, t'es mort. T'es mort, j'ai juré. Là, tu commences à forcer. Ok. Ah, ouais, ok. Wouh. Ok. Ça, je prends. Ok. Oh, c'est beau. Oh, mais c'est trop stylé. Je suis un monstre. Ok. C'est pas fait exprès, mais je suis quand même un monstre. Il faut respecter ça. Oh, toi, je vais t'éclater la gueule! Voilà, on rajoute des bruitages pour le côté un peu, tu vois, festif. Ah, oh, bah, il est mort, Atreus. Calme-toi, mon gars. Rejoindre Birgir. On ne peut pas traverser ce canyon. Alors, cherchons un autre chemin. Eh ben, je l'ai, ton autre chemin. Qu'est-ce que c'est encore? Voilà, je sais pas ce qu'il voulait le ref là, il est fou quoi lui. Ok, on a quelque chose ici. Hop. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. D'où ma curiosité. Mais les cristaux sont précieux. Ça a l'air grand tout ce qui va se passer ici, non? Oh là là, les galères. Les galères, sa mère l'hippopète. C'est une quête secondaire et on redécouvre tout.
Là, on a un truc. Oh la vache. 1, 2. Où est le last? Où est le last? Attendez, déjà ça. Ok. Ça. Très bien. Là, je l'ai pas pour le coup. Ça, je vois pas du tout. Wouah, shit, une bug game. Ça, je vois pas c'est quoi. On va essayer de se focus. Bah ouais, parce que c'est un connard. Là, il y a un éclair. J'ai l'impression de plus savoir où donner de la tête. Là, on a quoi là? Ah, c'est beau. Wouah, je me suis chié. Voilà. Oh les bâtards. Ah! On va pas l'utiliser les gars, on va pas l'utiliser. C'est ma faute, j'avais clairement pas à mourir à cet endroit là. Donc on va recommencer, je sais pas où ça va nous ramener cette connerie. Mais on va checker. Waouh, c'est grand, c'est très grand. Je vous avoue ne pas m'attendre à cela. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, à gauche, à droite, ils sont partout. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Du moins, rien d'accessible. Ok. Attendez, par ici! Oh là là. Allez, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est terrible, c'est terrible. Parle. Le jour où cette vallée a été détruite, mon esprit s'est déchiré, coupé en deux. Une part de moi repose ailleurs, avec mes restes. Peut-être dommage. En reconstituant cette broche, tout deviendrait plus clair. Que te rappelles-tu du jour de ta mort? Tout est flou. Je me souviens que j'étais nerveux. Cette broche... J'allais demander sa main à ma bien-aimée. Je vous en supplie. Aidez-moi à me souvenir. Ensuite, je pourrai vous parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Tes restes, où sont-ils? Je contemplais la vallée. Puis le sol s'est mis à trembler. J'ai tenté d'éviter un pilier qui s'effondrait, mais je n'ai pas dû réussir. Ah bah ouais, si t'as été coupé en deux, mon ref. Ce spectre nous dira peut-être ce qui s'est passé dans cette vallée. Si le Léviathan a gelé cet éclair, sais-tu que ça veut dire que... Mère, t'es là? Ah! Oh putain! Ils auront si faillible ici. Certes, mais cet éclair gelé raconte une histoire. Si on veut savoir ce qui s'est passé ici, cet esprit va nous dire ce dont on se souvient. Ok. Et ben voilà, j'ai même pas eu à l'affronter, bolos. Victime bolos. Il se passe trop de choses. Il se passe littéralement trop de choses partout. Quelle angoisse. Attendez, on vient d'où nous là? On vient de là, non? Je comprends plus rien, bordel. Je comprends plus rien, c'est gigantesque, c'est incroyable. On vient de là, non? Non, je crois pas. Hein. Ah, on vient pas de là. Hein. On vient pas de là, les gars, clairement pas. Mais c'est un cratère. Ce n'était pas un cratère. Il est là. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Une explosion? Tu es vraiment puissante. Qu'est-ce qui se passe partout? Ce cadavre est différent. Les dragons ne laissent pas ce genre de marques. On a déjà vu ces marques dans les mines de Volunder. Tu te souviens?
Il doit y avoir un mangeur d'âme ici. J'entends les animaux. Ils ont peur. Oui, ouvrons l'œil à la recherche de cadavres. Les mangeurs d'âmes aiment se cacher au grand jour. Oh non, ok, il y a un boss là. Oh là 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 là. Quelle galère. Il y a un boss, les amis, là-haut. Vas-y, on va le faire, on va se le taper. Hein. On va voir ce que ça va donner, tant pis. Hein. Beaucoup de choses de fermer. Il y avait un coffre derrière. Beaucoup trop de trucs. Beaucoup trop de trucs. Comment on peut aller là-bas? Comment on peut aller là-bas, vraie question. Bougez pas. Est-ce que par hasard, avec ma sorte de lance magique, de l'argent pour les braves. Ok. De toute évidence, on peut pas y aller de ce côté-là. Ça, je sais pas c'est quoi encore. On va fouiller, écoutez, on continue. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Encore un autre animal, superbe, donc c'est qu'on est sur cette voie. Encore un cadavre. Nous sommes donc sur la bonne voie. On se rapproche. Au début, le dernier qu'on a rencontré ressemblait à un tas de cailloux. Dragon ! Ok, on va rien à péter, on va se cacher ici. Allez, bonne chance, moi. Hop. Oh là 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 là, mais je suis extraordinaire. Ça dégage. Ok. Ah. Bon, écoutez, le temps de connaître un petit peu la zone, je crois qu'on va rester ici en vrai voilà quelques épisodes. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. D'où ma curiosité. Mais les cristaux sont précieux. Nous leur trouvons bien une utilité. Ah mais attends. Bâtard. Wow. Oh là là. Arrête frère. Okay. Je dois prendre ta part. Et toi. Toi. Vas-y, relevez-vous, hein. Y'a pas de soucis. Hein. Voilà, moi je vous monte en l'air littéralement. Voilà, vas-y, continue à vous relever. Hein. Y'a pas de soucis. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Allez, toi, hop, éclatage de bouche, mon ref. Les oiseaux, là, ça dégage. Hein. Allez, brisage de nuque. Repose en paix, frérot. Hein. C'est bon, hein. Vous commencez à me casser les couilles avec vos conneries, vous aussi. Hein. On est où, là, les gars? Oh, on est au festival de Cannes ou quoi? Ouais, il se passe trop de trucs, les gars. Soyez vigilants. Oui, on est... certains rochers ne sont pas comme les autres. Certains rochers ne sont pas comme les autres, j'ai compris. Encore. Ok. De la chair brûlée. Il est proche. Si un caillou bouge, je serai prêt. Aucun doute possible. C'est le même que l'éclair gelé de Midgard. Pourtant, je ne suis pas venu ici. Ok. Attends, déjà là, il y a quelque chose ou pas? Y'a rien. Et là, y'a rien. Ok. Bon, je écoutez. Prends un hôtel là-haut. Si on arrive à l'atteindre, on pourra agir sur le temps. Ah, mais là, mon ref. Ah, d'accord. Et si on agit sur le temps, il va se passer qu'il n'y aura pas les barrages. C'est cela? On parle de cet hôtel là-haut?
Ouais, c'est chaud. Attends, on me demande des trucs, les gars. C'est complicado. Hein. Ok, on va continuer d'aller visiter. Là, je mémorise partout où on passe. Qu'est-ce que c'est que ça? D'ordinaire, ces points vulnérables vont par trois. Il y en a certainement un autre. Très bien. Donc il y en a trois, c'est ça. Hop. Ouais. Et donc je suppose un derrière, sûrement. Oh putain, la gueule. Oh la gueule, sérieux. La gueule. C'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dès qu'on avance, on découvre un truc, frère. Ok. Cette bosse a l'air. C'est dur, hein. C'est très hostile, hein. Là, on peut aller partout. Ok. C'est angoissant. C'est encore. Qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est bon, c'est l'approche. Dur. Hein. Que veux-tu, esprit? J'étais... Ah non, mais même pas. Oh là là. Oh, les galères de cet épisode. Les As et Thor. Je dois me rappeler. Le message doit être délivré. Et c'était important. Mon commandant attend mon retour. Ça doit faire longtemps qu'il attend. Dis-nous, quelle est la dernière chose dont tu te souviens? Je voyais rouge, de colère, contre les As. Et il y avait ces arbres rouges, aidez-moi à recouvrir la mémoire. Alors je pourrais vous parler de ce jour-là. Type de guerre. Thor cherchait à affronter l'armée des Vannes. Les Vannes ont affronté les As dans cette vallée? Oui, une bataille que les Vannes ont fini par perdre. Mais quel rapport y aurait-il entre les clairs gelés et ce conflit? Il n'y a qu'une façon de le savoir, mon frère. Il faut chercher. Oh la vache! On est de vulgaire. Je vais rien dire. Je vais rien dire parce que je vais être mal poli. Allez, ça dégage. Lingoise gardien. Tout est tellement grand. Bon, tant mieux, hein, mais on est que dans du secondaire, les amis. Alors j'espère que... ça vous casse pas trop les couilles, mais c'est tellement incroyable. Dites-vous que si on était direct dans l'histoire principale, on n'aurait même pas découvert ce lieu. Oh là là, c'est incroyable ce qui va génial. Se passer. Mes frères, déplacer le soleil et la lune. Qu'est-ce que tu fous là, mon ref? Oui, c'est ouvert. Lisez, toi. Ok. Ok. Pas l'air de pouvoir améliorer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Armure améliorable. Très bien. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Parfait. Encore améliorable? C'est incroyable. Alors attendez, parce que si je l'améliore, ça arrive même pas au niveau de... Ah ouais, mais rune échange quand même. Hmm.
Ça a l'air stylé cette armure aussi. Ah, ça a l'air stylé de fou. Vas-y, j'améliore. Je suis beau ou pas? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est des dingueries arrivées à ce niveau-là. Parfait. Ouais. Ok, je viens de comprendre un truc là. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. La vache, je suis beau ou pas? On va voir ce qu'on peut faire. Ok, très bien. Eh ben écoutez, attends, c'est finish. Je crois qu'il y avait autre chose. Quoi? Ah, point d'XP disponible. Ok. Les potes, là, tout ce qui se passe, c'est quand même assez fou. Allez, lingot Asgardien, on continue. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça me remet où, ça? Ok, Sugoi. Et là, on a quoi, là-bas, là? Très bien. Bah, écoutez, en vrai, de vrai, let's go. On va voir ce qui se passe de nuit par ici. Je suppose que tout est ouvert. Là, on remonte le temps, c'est ça? Enfin, seulement le lieu remonte le temps. Superbe, rien n'a changé. Ah! Si, ça a changé. Hein? Et là? Ok, tout a changé. Ok, très bien, superbe. Allez, on va visiter tout ça, les amis. On va visiter tout ça. J'espère que vous avez hâte. Ah ouais, mais alors attendez, parce que là, va falloir que je me souvienne de deux temporalités. Ça, Merli Popette. Ok. Très bien. Là, il n'y a rien qui change. Et là... J'arrive. Là, vous savez que ça va être énervé. L'éclatage de gueule. Oh bien, bien, on va pouvoir niquer la porte là. Oh là, ça fait rêver ça. Allez. Mais ben voilà. Qui panique ici? Soyez vigilants. Mais oui, personne. Certains rochers ne sont pas comme les autres. Ouais, ça dégage. Nous ça là. J'aimerais qu'ils ressemblent aux dragons de Midgard. Ils étaient gentils. C'était surtout des nains sensibles qui avaient été transformés en dragons. N'empêche. Ok. Ok, ok, on avance bien. C'est bien, ça me plaît, j'aime bien. J'aime bien. Bon, il y a un bail ici, il y a un bail là-bas. Quoi? Ok, on va récupérer le coffre et on va s'arrêter là, les amis. Wouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss? Quoi? Oh.
Ok. C'est trop vrai. Oh la vache. Ok mon pote, je reviens à la tête de ma mère. Tu m'as fâché mon gars. Tu m'as fâché mon gars. Fin d'épisode. Ça, je connaissais pas ce coup. Oh la vache. Ok, trop fort. Trop fort. En fait, le problème de toi, c'est que t'emmenais ton putain daron à l'école, frère. Je vais l'éclater sa gueule. Je vais l'éclater son gorge. Ok, les gars, let's go. Let's go, là, tu m'as reboosté, là. Je finis pas l'épisode, ton... Tant qu'on l'a pas fumé. Oh putain, j'ai failli mal commencer, en tout cas. Superbe. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Viens mon ref, hein. Là je suis énervé. Je voulais juste mettre fin à l'épisode à la base, frère. Et c'est le problème. Là, ça va être un combat de bonhomme à bonhomme. Hop. Oh la vache. Oh là, ce coup, ce coup. Oh la vache. Ok. 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 Oh non, je suis pas dedans. C'est trop. Oh, c'est pas grave. Ok, ok mon pote. Oh là là, ça. Allez. Fouh, c'était chaud, ça devient dur hein. Yeah. Qu'est-ce que c'était? Le journal qu'il a perdu nous en dira peut-être plus. C'était un mec qui m'a cassé la gueule. Hein. Vache. La voix du mensonge. Écrit par Birgir. C'est peut-être lui qu'il était venu chercher. Ok. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 48. Bisous tout le monde. Bye bye. C'était tendu, hein. Je vous le dis, j'en ai encore la pâteuse.